Ah oui, c'est Mimi la nature. Et salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans The Legend of Zelda Ocarina of Time pour, eh bien, faire des emplettes, principalement. Et surtout suivre la Solus. Quoi? Ça va? Tout le monde le fait. On va donc aller au cimetière, déjà. Et j'espère que vous allez bien aussi. Hein. J'espère que tout va bien chez vous, comme dirait l'autre. Moi, ça va plutôt pas mal. Alors, il faut que je regarde des trucs parce que. Est-ce que. Ah, voilà! Voilà, tu fermes bien ta gueule. Ah, vous avez vaincu un esprit! Voulez-vous le garder dans une bouteille? Oui. Mais vous n'avez malheureusement pas de. Alors, ça, c'est chiant. Ah, c'était donc ça. Mais à quoi ça sert-il? Ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a, Navi? Ne rien croire ce que Shake raconte et aller au village. Mais espèce de connasse! Connasse de fée, quoi. On y est. Y a quoi ici? On va toutes les tirer, au pire. Que celle-là. Putain, c'est tellement profond. Comment il fait pour creuser comme ça? Oh bah. Hé, mon petit bouchon, tu te crois rapide? J'ai peut-être la trogne de travers, mais je fonce comme une flèche. On fait la course? Ouais, bah ouais. Vas-y, par devant surtout, hein. Ah, on fait la course, mais tu me pourris la gueule. On fait la course, mais vite fait, quoi. Putain, mais c'est pas par là! Mais comment tu veux faire avec cette caméra dégueulasse? Faudrait la mettre plus près encore. Évidemment pas par là. Bah ouais, non, mais t'es mignon. Ouais, on fait la course. Fais la course. Ta grosse mère, la pute. C'est dégueulasse. Faire un temps monstrueux avec ça. Pute. Et comment je fais? T'es sérieux? Faut que j'aille rattraper avant? Ok, super, merci, je le vois même pas arriver, c'est cool. On le vit bien, hein, on le vit bien.
Là on coupe. Ça change rien, c'est parfait. Ah ta grosse daronne. D'accord. Le temps de cette course c'est 2 0. Ouais, okay, d'accord. Mon petit bouchon, alors t'es rapide, hein. Ah donc il fallait... Oh, ah donc il fallait pas le battre. Cette chaîne montée sur le sol, tu es là où sa pointe s'est plantée. Pratique, hein. Bah merci. Reviens me voir et tu gagneras peut-être un autre cadeau. Alors à bientôt. Au fait, bonne chance pour sortir d'ici. Bah certainement avec le grappin. Bon. Vous trouvez le grappin, cette chaîne montée sur un sort pour s'accrocher à certaines choses. Vous pouvez l'utiliser pour attirer un objet vers vous, ou pour vous tracter. Et maintenez C, puis visez à l'aide du... Et faites feu en relâchant C. Ok. Alors, putain, par contre, j'ai perdu de la vie, c'est super. J'adore. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est la berceuse de Zelda, ça n'a rien à voir. Ah ça va. Calmez-vous bien. Ah oui. Alors ouais. Donc C, hein, c'est en dessous de B qui est à gauche de A. Donc c'est tout au même endroit. C'est une galère. Vous avez déjà regardé une manette de GameCube, c'est le stick droit en fait. Ok. Je l'ai effacé de la réalité? Comment... Oh! Ah! Zéro respect. Ah, ça marche pas! Nip, nip, nip. Un quart de cœur, on va quand même... hein. Vous tenez un quart de cœur, vous disposez de 3 fragments, à plus qu'un, et votre énergie sera plus importante, un peu comme... Il y a des gens qui m'appellent sur mon téléphone, GSM filaire, portatif, tout ça. Salut. Si jamais je retrouve ce môme, je lui écrase la tête. Il y a 7 ans, il a tout détraqué, mon beau moulin avec son docurina dégueulasse. Si jamais je retrouve, Happing Vlan dans les dents. Alors, Eh quoi, tu as un ocarina? Un nom d'un choupetteur comme ce môme il y a 7 ans. Il est arrivé ici comme une fleur, il a joué une curieuse mélodie. Mon moulin est ensuite devenu complètement dingue. Putain, ça va être pratique encore ça. Point, 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 point.
Vous apprenez le chant des tempêtes. Ok, et bah bisous. Oh, encore un orage. C'est de ta faute. J'ai déjà oublié sa voix. Je suis tellement un connard. Très bien. Bonjour, monsieur le barbu. Qui es-tu? Mais qui es-tu? Le moulin draine l'eau du puits. Eh, mais le puits est à sec depuis un bon moment. Le puits est à sec? Dis, rentre. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le puits? Genre un quart de cœur, ou... ce serait bien. Ça, c'est loin, mais c'est beau. Enfin, non, c'est juste bon. J'aurais dû m'en douter. Très bien. Bon, du coup, maintenant, bah, c'est bien, mais voilà. Toi, on t'a vu, c'était les poulettes, Akadok, tout ça. On a retenu. Akadok, la poulette, Akadok. Péter les pattes, tout ça. Ah, mais du coup, ça, c'était une maison qui était pas construite au début. C'est une boutique? On va en profiter, hein. Voilà, jeu d'adresse. Ouais, non, tu vas aller te faire foutre, hein. Moi, je suis là pour sauver le monde, je suis pas là pour jouer au bilboquet. Même si ça finit toujours par rentrer. On va aller voir. Là, c'est quoi? Ça a l'air d'être une boutique aussi. Il y a un panneau et tout. Avec une marmite, c'est genre la boutique de la sorcière. Bonjour. Bonjour. Salut. Merci. C'est pas con non plus. Esprit de fée, flamme bleue. Ah, oh, mais à chaque fois faut des bouteilles, t'es mignon. Insecte en bouteille. Tu nous fais chier. Tu nous fais chier. Là, c'est quoi? Apparemment, c'est chez un nain. Ah, bienvenue. J'ai déjà le bouclier lien. Ouais, bah dégage, hein. C'est pareil, tu sers à rien. Puis je te soupçonne de ne pas porter de pantalon. Ce n'est pas très grave en soi, mais bon, voilà. T'es dans un jeu vidéo Zelda, c'est Nintendo, c'est pour les enfants, et t'as pas de futal, quoi. Alors bon, c'est... voilà. Heureusement que j'avais garé Pona pas loin. Donc on va aller dans les... merde, comment ça s'appelle? La forêt, là. Là où on avait appris le chant de Saria, du coup. Allez, bouge ton cul, Epona, putain! Même mon chat, quand elle dort, elle va plus vite. Putain, j'aurais dû prendre Ablette. Ablette, au moins, elle peut résoudre des crimes. Au moins, c'est un cheval sorceleur. Un jour je te boufferai, Kona. Je t'emmènerai à la boucherie chevaline et on sera des super steaks. Je ferai à bouffer à Zelda. Si elle n'est pas congelée ou tout ça. Très bien. Ah, ça a changé, Forêt Kokiri. Ça a un petit peu changé. Ok.
Alors c'était où ma maison, c'était où? C'est celle-là, hein. Ok. Il y a peut-être un truc. Cabane de Link. On sait jamais, il y a peut-être un... quelque chose à prendre dedans. Ce serait cool, un... je ne sais pas, un quelque chose. Apparemment non. On peut même pas dormir sur le lit. Hein. Et y a rien dans les pots. Putain! Des graines de mes couilles là. Ça ne sert à rien! À la colère du dragon! Très bien. Oh bah dis donc, non, non merci. Non merci. Alors moi il faudrait que j'aille, c'est là. Voilà. Dans la forêt chelou. La forêt chelou. Non, j'ai pas le temps à perdre avec toi, j'ai pas le temps à perdre avec toi, j'ai pas le temps à perdre avec toi. Est-ce qu'ils disent autre chose maintenant, les pierres Sheka? L'œil de cette statue percelée. Ok, ça sert vraiment à rien du coup. Très bien. Salut. Mais qui êtes-vous? Votre habit Kokiri ne marche pas. Je ne suis pas né de la dernière giboulée. J'ai promis à Saria de ne laisser passer personne. Ah, t'es qu'une grosse te pue! Alors, est-ce que si on lui fait le chant de Saria, ça passe? Du coup... Ok. Alors, tu fais moins ton malin, sale bâtard? Saria, je l'ai tout le temps, vous connaissez Saria? Évidemment! C'est moi qui l'ai fait! Sale bâtard! Merde, alors après. Gauche. Eh ouais, le bosquet sacré. À partir d'ici, nous allons emprunter des trois passages. Oui, les trois passages. Si tu procèdes prudemment, tu surprendras certainement quelques monstres. Ouais. Utilise la visée L pour toujours regarder dans la bonne direction. Axe-toi pour voir le fond d'un couloir avant de bifurquer. Une fois bien placé, maintiens L pour faire un pas de côté. Ainsi, tu seras jamais pris dans une embuscade. Ok. Est-ce que lui, on peut lui embûcher sa race? Mais c'est n'importe quoi ta mère! Ah, ils sont cons! Ils peuvent pas se retourner! Ah oui, par contre, oui, ils peuvent pas se retourner, mais ils peuvent m'enculer. Ça y'a aucun souci!
Mais c'est dégueulasse! Nique-toi bien. Je trouve ça passablement dégueulasse. Ah, je t'ai bien baisé. Je t'ai bien baisé. Pas grave, l'eau est mon ami. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Avec la musique. Tu vas te faire, tu vas te faire, tu vas te faire buter. Ils ont une sale gueule, hein. En fait, c'est les Minotaurs. Peut-être à peu près son cul. Mais c'est dégueulasse! C'est dégueulasse, hein. Moi, je m'excuse, mais... Mais je m'excuse. On peut pas se mettre contre le mur comme dans Metal Gear Solid. Un jeu qui est bien pour s'infiltrer. Retourne-toi, retourne-toi, allez! Retourne ton cul, s'il te plaît. Voilà, va là-bas. Et toi, grimpe, grimpe ta race, mais... Putain! Link, t'es vraiment un gros connard. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Non, parce que c'est vrai. Hein. Mais quoi? Oh là, fais attention, tu vas mourir. Putain, mais la grosse pute, quoi. La grosse te pue, hein. Ah bah non, mais c'est bon, Tu veux que je fasse quoi, là? Allez, il va me falloir du soin tout de suite. Tout de suite. Mais où est Saria? C'était sa souche préférée. Ah merde, c'était quoi sa voix? La course du temps est cruelle. Sa vitesse est perçue différemment par chacun, mais personne ne peut la modifier. Seule la mémoire... C'était un truc comme ça. Seule la mémoire des jours anciens n'est pas altérée. Et pour revenir ici, joue le menuet des bois. Le menuet, pardon. Oh là là! Ah, puis c'est clair de lune! Thank you.
Et vous apprenez le menuet des bois. C'est super. Allez, Inca, très bientôt. Ninja. C'est vraiment un ninja. Attention, tu vas mourir. Oui, bah je sais que je vais mourir, enculé. Oui. Allez, on va attaquer le donjon avec un demi-cœur. Je suis sûr que ça va bien se passer, le temple de la forêt. La fée ! Mais ta mère la fée ! Ah. Voilà, on va faire comme ça, hein. Comme un gros dégueulasse. On va faire des attaques cheatées. Des attaques tourbilol. On va faire que des roulettes, hein, comme au baby-foot. Tant pis. Tant pis.